Eh bien c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dead Rising 4. Je pense que l'affaire 2 touche à sa fin, nous en sommes à l'épisode 6. Et mon dieu, c'est phénoménal, je suis content. Les gars, c'est terrible. Il se passe rien de spécial en soi, j'ai pas gagné Euro Million. Non, Mister B-Boy n'est pas enceinte parce que Mister B-Boy est un homme et forcément les lois de la nature font que je ne peux pas tomber enceinte. Je n'attends pas de gosse donc, mais voilà, je suis juste content. Écoutez, la santé ça va, la famille ça va et j'espère que de votre côté tout va bien aussi. On se rapproche des fêtes, ça je ne cesse de vous le répéter à chaque vidéo parce que c'est un plaisir, c'est des moments où il faut tout oublier, il faut oublier les tracas du quotidien. Et en plus de ça, chaque jour que je me réveille, je vois que vous mettez énormément de likes à mes vidéos et vous avez toujours été là, vous avez toujours été présents, vous êtes des belles salopes les gars, vous avez toujours été présents et je vous aime. On le dit jamais assez peut-être. Moi, je le dis souvent, du moins j'espère que je le dis souvent et que vous l'avez mémorisé. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'être là au quotidien, à chaque fois. C'est incroyable, ça fait extrêmement plaisir. On va donc allumer, alors, on a déjà vu le débat de notre ami Darcy, bien évidemment. Donc on va pas le réécouter, on va essayer de le libérer relativement tôt. Bref, alors, je ne sais que parler, donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on va continuer de ne pas faire de cuts, parce que là on est pas mal. On va pas le détacher le Darcy, hein. On va explorer le barrage parce qu'on avait une enquête à mener. Nous revoici donc exactement au point où on s'était lâché. Ah non, le tableau, forcément, c'est une évidence. Dès qu'il y a un tableau, les gars, ça il faut prendre un tour. Depuis... Ça date d'avant le début de l'épidémie. Oh bordel, je parie qu'ils l'ont créé. Graffiti. Ah, Snoop Dogg. Ok, on a trouvé un Snoop Dogg, c'est plutôt cool. Photographier 5 graffitis sur les zombies. Alors, j'avais foiré un Snoop Dogg dans l'épisode précédent, je m'en étais rendu compte, vous savez, à côté du bunker. Et ça, c'est triste et c'est terrible. Bref, on va faire notre... pas notre dernière photo, parce qu'il nous en manque quelques-unes. On va essayer de trouver ça. On va essayer de ne pas faire de cut. Il n'y a rien par ici. Peut-être Darcy, non? Justement, Miskin. Je pense que... Ok, je pense qu'il faut le prendre en photo, étant donné qu'il est attaché, non? Qu'en pensez-vous? Pas du tout. On dirait rancé, ouais, bon, allez les gars, il n'y a rien de spécial en soi. Ah, c'est là. On voit pas ça tous les jours. Okay. C'est bon, d'accord, c'était les papiers de derrière. Pas très précis leur système. Exosquelette supplémentaire à Willamette. Pour le combat à l'arme lourde. Ce monstre est trop rapide, il est trop fort pour les armes normales. Ok, où est le bouton pour allumer? Alors là, maintenant, par contre, il va falloir trouver un bouton. Donc on va passer, je suppose, en vision de type nocturne. Et on va essayer de trouver le bouton. Il doit être par... La logique voudrait qu'il soit pas très loin. Mais ça, c'est la logique, les gars. L'illogique voudrait qu'il soit près d'un générateur. Ok, donc ça, c'était l'illogique, ça ne fonctionne pas non plus. Et... où il peut être le bouton? Je comprends pas. Mais c'est lui le bouton, non? C'est lui que j'ai utilisé peut-être derrière, non? Non. Où est le bouton pour allumer? Ah! Allumer le projecteur! Bah voilà. Tout simplement. Nous y voilà. Pas de photo à prendre. Ok. Qu'est-ce que c'est? Calder? C'est quoi? Un acronyme? Un projet? Un nom? Je sais pas trop, mais ça les terrifie. C'est la chose qui a tué leurs hommes. Et elle a pas fini. Et ils se déplacent dans les égouts, alors ils l'ont attiré ici pour le capturer. Je peux vous montrer où? Détachez-moi, vite! On ira ensemble! Ah, c'est intéressant. Merde, c'était quoi, ça? Le monstre. Franck! Allez, faites-moi sortir de là! Reste tranquille, Darcy. Tu seras en sécurité ici. J'espère. Quoi? Non, allez, vous pouvez pas me laisser là! Oh! Arrêtez, quoi! Ok, il y a réellement un monstre, là? Je commence à balise là. Attendez! Franck! Franck! Ok. Comment un monstre? Il avait l'air d'une taille de type humaine. Comment il peut faire autant de dégâts là? J'ai jamais interviewé de monstre. Ce sera une sacrée exclusivité. Ok. On va ouvrir vite fait. Il y a quelque chose à ouvrir pas loin. Ah, c'est là. Super. J'ai les clés. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, déverrouille. Qu'est-ce que c'est? Une bombe collante.
Ok. Est-ce que... une bombe collante. Mais tous les gars qu'on a perdu, ils augmenteront peut-être nos primes cette année. On va la garder. On va garder la bombe collante, les gars. On va se rééquiper. Donc là, vous avez entendu, hein, y a des méchants. Pas gentils. Pas très loin. Donc on va essayer de les arracher calmement. Attendez. Oh, c'est stylé! Bon, stylé, c'est un grand mot, hein. C'était pas super impressionnant en soi, on est bien d'accord. Mais c'est stylé qu'on puisse faire de l'infiltration. On va essayer de la faire en infiltration. Ok, il y a un mec qui est à droite. Comment t'as pu voir? Oh, lol. D'accord. Oh. Allez! Je te sape. Ok. On avait presque réussi, c'est dommage, on avait presque réussi le sans faute. On peut continuer. D'accord, il y a des petites phases d'infiltration. Eh bien sympatoche, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai, on engage. Allez, ça dégage. Quoi? Ok, il est là. Ouais. Allez. Je me mets à l'abri. Quoi? Il s'est vraiment mis à l'abri, quoi? Oh là là, c'est terrible, voilà. Petit coup de sable comme ça, ça fait plaisir dans les dents. Bon. On va utiliser un kit de soins, on va en ramasser un autre. J'ai 2 points à m'attribuer et on est niveau 25, ça va être très intéressant. J'attends d'en avoir, allez, 4. On va se mettre d'accord sur 4 points à s'attribuer. Et on va découvrir toutes les nouvelles possibilités de l'arbre de compétences. Et il y en a beaucoup. D'accord, c'est insulte de fils de pute. Super, à la base je fais une vidéo avec vous. On est là, on tape des barres, on se fait plaisir. Allez, ça dégage. Oh, elle est magnifique, cette épée. Je la kiffe, putain. Cette putain d'épée, je la kiffe. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok, je peux fouiller. Alors, pourquoi c'est devenu... Ah, parce qu'il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Oh, il y a un mec ici. Allez, ça dégage. Bon. On a pas mal de choses. Des écrans, un PC. L'inventaire est plein. Il n'y a rien pour le moment. J'essaye de regarder si on n'a pas des petits trucs à se créer, mais... Rien d'intéressant en soi. J'ai une M16 de côté, me semble-t-il. J'ai un fusil d'assaut de côté, c'est plutôt cool. Si jamais il y a besoin. Oh putain. Allez, go. Hop. Voilà. Quoi? 3 soins? Mais t'es gourmand. Toi, t'es gourmand, mon pote. Wow, 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 wow. Les gars. Wow. Stop. Down, motherfucker. Ok, je les ai hard. Oh, quoi? Tu viens d'où, toi? Ok, je les ai arrachés. Alors ça, dans Dead Rising, c'est rare de combattre autant d'humains. Ça c'est chiant. Qu'est-ce que je prends là? Oh, je m'équipe de ma mitraillette préférée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je prends quoi là? Mec, je prends des balles spatiales, c'est un truc de dingue. Ok, là y'a rien. Ah si. Allez, dégage. T'es là, tu me racontes ta vie. Ok. Kit de soins. On continue. Je vais me rééquiper de ma petite tête. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Je vois que ça embrouille. Ok, faut que j'aille là-haut. Alors, comment on y va? On va essayer de trouver. Sûrement par là. C'est bon, ça. Yes, on a trouvé. Putain, ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément, là, le boss ou je sais pas quoi. Ah, petite vue sympa. Ça m'intrigue énormément, là, cette histoire de boss. J'aimerais qu'on passe à l'affaire numéro 3, s'il vous plaît. Histoire qu'on sache un peu où ça en est. Parce que je vois que ça traîne dans les égouts, ça prévient pas la famille. Quelque chose à se mettre sous la dent. Ok. Et tu penses ça, c'est vrai? C'est une moustache qui prend en photo, voilà. Vous venez de voir une moustache qui prend en photo quelque chose. Bordel, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y a dans ces comptes? Oh merde. Oh. Bon. Yes. Ah.
Parfait. Là, ça fait plaisir. Ok, c'est parti. Ça va bombarder les potes. Vache. Oh, je maîtrise plus rien. Je maîtrise plus rien. Oh, c'est énorme. Calmez-vous. Ok. Il y a des trucs. Qui c'est? Oh, lui, je l'ai enculé. D'accord, j'ai cru que c'était le boss. Bon, est-ce qu'il va y avoir un boss? Je sais pas du tout. Si on peut tracer là. Et toi? Mais si, c'est toi le boss, non? Oh, je l'arrache. Oh, il sait plus où il habite. Oh, il sait plus où il habite. Ok, attendez. Attendez, parce que c'est terrible, je prends des dégâts. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, la Gatine, elle met du temps quand même. Elle met pas mal de temps à se. On est bon. Je crois que j'ai santé limitée là sur ma nano. Enfin, ma nano, non. Bah, comment on appelle ça là? Mon exosquelette? Bah, voilà. C'est pas cool si tu protèges. Ah! Oh! Ah, c'est terrible! Attends. Ah! Quoi? Mais prends ça! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est triste ce qui se passe! Je suis bloqué! Merci! Putain, c'était. Je suis censé avoir esquivé, mais c'est injuste. Je prends ma vie, putain, ma vie est nulle. Aïe. Ah, tranquille, les gars. Ok. Allez, vas-y, viens. Oh, ma vie était tellement nulle, les mecs. Ah, c'était terrible. Encore? Attends. Hop. Kit de soin, frère. Ok. Allez. Ok, on va repasser à ça. Allez, meurs! Terrible, ça! Les gars, attends, parce que niveau vie, là, on fait les malins. On fait les malins, mais je le... Oh, la vache! Je prends ma putain de vie. Meurs! Meurs! Tu me fais chier! Oh putain! Là, le lieutenant, il casse les couilles! Allez, ferme-la! Oh, ça c'est terrible! Oh, ça c'est terrible! Ça, ce qui se passe tout de suite là! Ce qui se passe tout de suite, c'est terrible! Aïe! Laissez-moi tranquille! Ok, qu'est-ce que c'est? H minigun. Allez, dégage. Dégagez. Les gars, je veux juste un putain de minigun. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Hop, mais non, mais tu ramasses tout sauf. C'est terrible. Oh là, toi, je te tacle. Hop, ça dégage, mon pote. Waouh. Non, c'est incontrôlable. Voilà. Doucement petit. Ok. Mais non. Voilà. C'est bon. J'ai réussi à ramasser les soins. T'es où là? Dernière étape pour nous. Allez, dégage. Ça fait mal ou quoi? Dis-moi ça fait mal. Ça sert à rien ce que tu fais. Ça sert à rien. Allez. Allez, faut tomber, monsieur. Mec! Oh putain! Oh, yo. Allez! À plus dans le bus! Ok, trop loin. On est bon là! On est bon! Wow! Attendez! Dommage. Dommage, les gars. Le temps que je retrouve la touche, ce fut terrible. Fin de l'affaire numéro 2.
Ah putain, on avance bien. Alors, j'ai appris que les obscuristes pourchassaient quelque chose. Et quoi que ce soit au bout du compte, ils sont devenus les proies. En parlant de trucs bizarres, Vic manigance quelque chose. Je l'ai vu négocier avec des survivants en échange d'une exclue avec le commandant des obscuristes. Elle est complètement starbée. Mais pas autant que ce désaxé de Tom Picton. Il gagne haut la main. Un producteur de lait reconverti en tyran. Ouais, on est super potes. Amon, son ingénieur, m'a donné une clé pour le barrage. C'est là que les obscuristes sont attirés, ce truc. Elle a l'air sympa. On est super potes. J'ai rattrapé les obscuristes juste à temps pour les voir embarquer ce caldaire. Quel que soit ce machin. Je me lance donc à leur poursuite pour voir l'homme ou la chose qu'ils appellent caldaire et savoir ce qui motive obscuristes à mettre la main dessus. D'accord. Bon, c'est sympa ces résumés encore une fois. Hein. On est pas mal, temps de jeu 3h34, pas pour la faire deux, hein, je pense que c'est pour tout. Vous avez gagné la hache électrique. Je n'avais pas déjà trouvé ce plan. Est-ce que vous seriez pas en train de m'arnaquer? PP gagné, photo prise 19, combo créé 10, c'est pas mal et on a tué 2600 zombies. Je sais pas si c'est l'affaire 2 ou si c'est les deux affaires réunies. À vous de me dire, on est sur du 30% en pièces de survie trouvées. C'est pas mal, on était sur 30% aussi à l'affaire 1. Hein. Le 100% on en est loin, mais quand même un tiers de cette affaire 2 accomplie, c'est plutôt propre. West, ça s'agite sur les canaux radio d'Obscuris. C'est quoi cette histoire de convoi? Obscuris a capturé le monstre, ils vont le déplacer en camion. Je vais les suivre. Quoi? Il y a autre chose. Le monstre pourrait bien s'appeler Caldaire. Je vais me renseigner. Repliez-vous! Engagez pour le combat! Foutez le combat! Wow, donnez aux zombies direct comme ça! On se casse, les mecs! On se casse au. Hop, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je me suis foiré. Ok, on se casse calmement, on doit poursuivre le convoi. Le convoi, vous savez qui? Non! Peut-être les hommes de Tom. Très courageux pour une bande de fermiers. Ok, il est parti où ce qu'on voit? Ah oui, d'accord. Ça, par contre, faut me prévenir, les gars, si on peut se retourner. J'ai pas envie de chier la honte, hein, littéralement. Nickel. Faut que je descende du véhicule? Sérieusement? La pire course-poursuite ever? Hop, on remonte dedans. Quoi? Ah, très bien, je peux pas emmener le véhicule. C'est peut-être considéré comme une nouvelle zone. Ok, très bien. On va donc devoir retourner sur les traces du convoi. J'aimerais bien trouver un petit véhicule sympa, là. On a quelque chose de sympa ou pas, là? On est juste ici. Ah oui! Ah, mais c'est terrible! Beaucoup de zombies en plus! Yo les gars! Ça se passe comment ici? Hop, ça dégage! Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, ça dégage! Quoi? Je suis en train de mourir! Waouh! Je n'étais point prêt! Ok, je suis en train de me faire enculer! Yo frère! Hop! Oh putain! Oh putain, ouais! Le mec il me voit viser, il doit taper une barre à l'infini là. Hop, dégage. Je sais pas pourquoi j'utilise quelque chose d'aussi violent comme ça avec vous. Hop, on va reprendre l'arme de feu. Histoire d'économiser un petit peu. Alors comment on va faire les mecs? Poursuivez le convoi. Ah d'accord, ça s'est déjà déplacé. Très bien, excellent. Bien joué à vous. Faut me prévenir les gars hein, quand ça fait des trucs comme ça là en plein milieu de. En plein milieu de mission. Bon bah c'est parti, on a toujours pas de véhicule, c'est chiant. C'est très très chiant. On y va à pattes. Hop, 3 points. Il me reste plus qu'un point, les gars. On a bientôt. J'adore l'odeur des corps en train de brûler. On va pouvoir ressortir. Hop, pardon. Excusez-vous, les gars. Qu'est-ce que c'est là-haut, là? Il y a quelque chose là-haut. Bon, on va le laisser ça. Wow. T'étais né aux zombies normal, mec. Calmez-vous, pas dehors, pas comme ça. Parmi, on dirait qu'un zombie sur 1000. Soit à chier ou il se passe un truc vraiment crédible. Oh, regardez comment c'est ouf. Regardez comment c'est ouf. Quoi? Mais quoi, mais gros? Je te demande de prendre une photo, il tombe du camion. T'as glissé, c'est la neige, ça arrive. Ah putain. Voilà. Attendez. La meilleure bouille, c'est pas elle. C'est elle, je l'ai. Hop, voilà, là on est pas mal là. Rambé! Oh bah attends, on va ranger ça, c'est pas grave en soi. Voilà, c'est pas beaucoup mieux ça? Rambé, d'accord, très bien, c'est terrible. Peut-être qu'ils veulent qu'il y ait un mélange de mort, un peu, des souffrances horribles. Ok, on se casse les mecs.
Hop, poussez-moi, excusez-vous. On bouge. Je vais résoudre, vous savez quoi? J'ai un terrible problème. Oh, nettoyer le refuge, ça c'est bon ça, on y va de ce pas. J'ai un terrible souci, les gars. C'est que je joue avec du décalage. Voilà, je vais pas au mytho. Oh la vache! C'est quoi ces petites explosions aromatisées là comme ça? Ah, mais c'est le convoi. Hop! Hop, voilà. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Donc on va nettoyer le refuge. Voilà, je joue avec pas mal de latence. Donc je pense que je vais faire quelque chose parce que c'est insupportable. Je sais pas pourquoi. C'est censé, en plus, c'est le Extreme Cap U3, mes couilles au bord de l'eau. Gros, ça fait un laveur méga. Et d'accord, je peux pas. Je peux pas nettoyer un refuge. Ils ne veulent pas. C'est peut-être que je suis en mission, non? Et si je suis... Non. Ok, on va réessayer une dernière fois. Je crois que c'est parce que je suis en mission. Oh, wow. Oh, petit. Oh. Putain, petit. Ok. On peut se casser. Je peux pas. Je ne peux pas le nettoyer. Ouais, on peut pas ouvrir la porte. D'accord, ça doit être parce que je suis en mission. Bref. Donc, comme je vous disais, voilà, j'ai un décalage qui fait que même... C'est pour ça que la visée, c'est... J'ai du mal à viser. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Et j'ai comme des déplacements lourds, un petit peu comme si c'était Inglorious Jojo qui jouait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des réflexes d'un mec qui a 35 ans. C'est parce qu'il y a... Peut-être quoi? Je dirais peu, une demi-seconde. Allez, on va pas faire les requins. Une seconde quand même de décalage. Et ben cette seconde, croyez-moi que ça change énormément de trucs. C'est horrible. Base militaire de Willamette, ça c'est fait. Tiens, c'est bon, on va reprendre ça. Hop. Oh les gars. Wow, 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 calmez-vous. Putain, les mecs. Il faut que je trouve des gars. Il faut que je trouve des gars. Ok. Il faut que je trouve des îles. Ah, la maison peut-être. Non, on peut pas l'ouvrir. Elle est née aux zombies, il rigole zéro les mecs. Hop, allez, ça dégage. Désolé, j'ai cru que c'était un. Je les ai écrasés sans aucun souci. Bon, il faut que je trouve des îles. Nettoyer le refuge, oui, non, mais ça je veux bien, frère. Nettoyer le refuge, oui, est-ce que je veux bien. Je me fais déjà tirer dessus. J'ai trouvé le camion de transport, mais il y a un problème. Je vais l'inspecter. Qu'on va fouler ça? Ouais, merci pour le conseil. Hache de guerre. Oh putain, je prends l'épée. Oh putain, je fais l'épée. Ok. Ok. Épée. Bon, écoutez, on n'a toujours rien trouvé avec la tronçonneuse. Hop, une petite bouteille d'eau. On va fouiller, il n'y a pas d'autre coffre de voiture. On n'a toujours rien trouvé avec la tronçonneuse, donc bon, je vais pas la garder 105 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, yes, d'huile. Hop, je prends volontiers. On ramasse les deux. Ok, c'est parti. Survivant du convoi, yo frérot. Ouais, enfin, oublie pas que vous êtes une salope quand même. Hein. Merde, vous êtes Frank West. Écoutez, je suis pas au top là. Il me faut de la morphine. Il y en a au refuge de North Peak. Si vous me dégotez quelques doses, je vous dirai ce qu'on transportait. Ça marche? Ça marche? C'est bon, je vais y réfléchir. Oh, ok, mais... Dépêchez-vous. Ok, le mec est tellement en chien qu'il veut de la morphine. Et si je lui donne sa morphine, ouah, c'est un chantage équivalent, hein, on va appeler ça comme ça. Yo les gars. Hop, pardon. Pardon, excusez-moi. Hop, ça dégage. Ouh, ouh putain, il y a deux psychopathes. Deux potentiels psychopathes. On va voir un petit peu où ça mène. Bon, on va aller essayer d'aller prendre la morphine. On va aussi essayer... Ah, faut vraiment que je nettoie le refuge, ça me stresse. On va nettoyer le refuge, voilà. Hop. Je me prends trois quarts des voitures, ça c'est aussi un hyper chiant. Yo, ok. Ah bah, nickel. C'est la mission, ça tombe très bien. Ok, on va nettoyer ce refuge. Il y a des psychopathes, deux psychopathes pas loin, putain. Chercher la morphine. Yo les gars, comment ça se passe là-dedans? Hop, ça dégage. Ça dégage. Hop. Oh oui, toi tu tombes carrément de là-haut là. Qu'est-ce qui se passe là-haut les mecs? Oh mais gros les gars, il y a une soirée ou quoi? En haut, vous m'avez pas dit? Oh, wow, wow, wow! Attends, on va y aller, les mecs, parce que ça a l'air terrible, ce qui se passe. Y'a quoi, là-haut? Ah, mais oui, mais les gars! Sautez pas comme ça! Mais non! Je suis là! Paniquez pas! Ok. D'accord, y'a bien une soirée en haut. Putain, cool! Eh, l'ambiance se tape ici, impeccable. Mais les gars, ils sautent tous. Ok.
hop, ça, du coup, on s'abrutit. Bon, il doit pas en rester beaucoup, niveau 27. Allez, on a nos 4 points, on va se les attribuer, les gars. Ok, je crois que juste les glacés, ça les tue. Hein. J'ai envie de vous dire, map, ouais. Ok. Ah bah oui, ceux qui étaient tombés. Mais quoi? C'est moi, il y en a plus que... Vous êtes, c'est vous, vous étiez tous tombés ou vous êtes nouveaux, les gars? Ah, il y a une masse. Il y a une masse, je sais pas. Je crois que c'est le même plan, non? C'est laquelle? Hop. Masse explosive, je prends. Je prends ça plus masse, masse acide, on est pas mal. Ok, bonne chose de faite. Je me suis fait pas mal de stuff. On va tuer les 2-3 zombies qui restent. Oh la vache. Ah oui. Oh, c'est une météorite, le mec. C'est bon, là, les gars? Chercher de la morphine. Ok. Bah, moi non plus, je veux pas... Ah, c'est peut-être en bas, non? Regardez, bougez pas. Yes, je crois que c'est en bas. Ah oui. Je confirme. Ok. Hop, ça dégage. Ouah, c'est des néons. Dégagez. Voilà, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? On est serein ici, nous. Oh, un journal. Je prends. Ok, abri d'urgence, North Speak, c'est plutôt cool, plutôt une bonne nouvelle. Depuis les cendres, j'ai trouvé un journal sur 5, faudrait que j'arrive à trouver un nouveau Snoop Dogg. Bon bah voilà, nouveau refuge de prêt, donc nouveau vendeur. Je vais acheter le plan des plans. Voilà, c'est un plan qui te dit où sont tous les plans. Et on va pouvoir se casser. Faut que j'achète de la morphine. Comment est le ciel? Alors avant d'en acheter, enfin avant d'en trouver, c'est lequel le vendeur? Il est où là? Vendeur d'aliments, vendeur de lieux, c'est lui. Yo ma soeur. Hop, ça va? Ouais, j'ai ramassé une petite canette, être aîné. Ça me stressait. Ok, ça c'est fait. À bientôt. On a nos 5... Oh putain, 5 points de compétence, c'est bien plus qu'il n'en faut. On va chercher la morphine. On va l'apporter au mec, il va nous dire un petit peu ce qu'ils étaient en train de transporter. Je pense que c'était la bête. Ou alors le frère de la bête. Ou le frère du frère du frère de la bête. Hop, on a la morphine, nickel. Et on va s'attribuer nos 5 points de compétence bien... Alors, soit la barre de PP est complètement pleine, soit la barre est complètement vide. Mais quoi qu'il arrive, on va s'attribuer nos 5 points de compétence. C'est parti, on va échanger la morphine contre les infos. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Et on va pouvoir s'arrêter là. Parce qu'on avance, on avance plutôt bien, on avance plutôt vite. Et promis pour la prochaine fois, les gars. Parce que, bon, je vais vous expliquer un petit peu mon installation. Il y a une vidéo setup de prévu, hein. Mais pour vous expliquer un peu mon installation, la PS4, jamais de problème. Moi, je m'en suis jamais plaint. Pas de souci, elle est directement branchée à une télé. Alors que la Xbox One, je passe immédiatement... Enfin, je joue depuis mon XSplit et ma boîte d'acquisition, qui est supposée rediffuser en direct. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un putain de micro-décalage insupportable. Donc, pas de favoritisme, les gars. La Xbox One, je vais la brancher sur la télé. Je vais faire une petite combine... m'a appris au cours de ces 40 dernières années. Et puis ça va aller bien. Ouais, j'ai pris un petit coup, je ne sais pas de quoi. Peut-être un flocon de neige. Désolé, je vois pas très bien. Tiens frère, tu fais de la peine. Ouais. Ah, vous êtes un type bien, West. Mais écoutez, je peux pas vous dire ce qu'on transportait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le commandement a appelé ça une opération de sauvetage. Et qu'on faisait sortir ce truc de la ville pour le faire étudier. Intéressant. Ok. Si vous trouvez une couverture ou de l'alcool, n'hésitez pas. Ah, d'accord. Parce que le mec, il ronflait en regardant dans une autre direction. Ok. Le casque, on va éviter. Bon. Quelqu'un s'est fait tordre un peu. Quelqu'un s'est fait tordre. Comment tu veux te faire tordre, frère? Ah. Ah oui. Bah alors les potes. Et de 1. Faut que je photographie. Tiens, nos amis d'Oldtown sont de retour. Quelqu'un s'est fait tordre un peu. Non, vous êtes bien. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est la bête? C'est terrible. Quelqu'un s'est fait tordre un peu. Là, y a personne. Ah, enquête abandonnée. Je vois que ça abandonne vite les enquêtes par ici. Et bah voilà. Ah oui. Sacré bête, hein. Par contre, putain, je l'avais il y a 2 minutes. Allez, c'est bon. À l'angle est chiant, hein. Ok. Alors,
Qui a détruit le convoi ? J'en ai pas la moindre idée. Quoi que ce soit, ça a la force de Godzilla, des amis, et une haine farouche contre Obscurus. Je vais... C'était quoi ? Mon Pulitzer. Je dois y aller. Waouh. Alors, où est-ce que t'es passé ? Ok. On va s'arrêter là, on va s'attribuer nos points de compétences et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire comme d'habitude parce que ça fait extrêmement plaisir bien évidemment. C'est par où ? C'est par ici. Et puis on va voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Ok, après c'est niveau 40, c'est chiant. Emplacement d'armes corps à corps plus 1, c'est plutôt cool. Ah non ! Ajoute un emplacement à l'inventaire d'armes de jet et à l'inventaire d'armes à distance. Ok, pas mal. Vous pouvez résister à une prise sans que votre compteur de coups ne soit réinitialisé. Pas mal. Ah, vous voyez, putain, faut même que je change la manette de Xbox, c'est terrible. Eh ben, beaucoup trop celle-ci. Ok, on va en prendre un. Plutôt cool. En plus, sur cette petite musique de Noël, finir la vidéo, c'est impeccable. On va en prendre un aussi. De celui-ci. Et on va augmenter notre résistance. Augmente la vitesse de récupération de l'endurance, c'est pas mal. Réduit les dégâts subis en cas d'attaque arme à feu ou à distance, ça c'est pas mal. Je subis énormément de dégâts, ma vie est nulle les amis. Augmente la vitesse de régénération de la vie, ça c'est pas mal aussi ça. Ça c'est pas mal aussi, il m'en reste un seul. La vie se régénère maintenant à un niveau plus élevé. Ça c'est pas mal aussi. Je commence à être une sacrée machine. Bref, n'oubliez pas le j'aime. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.